Yo les gars, c'est l'Enflio24, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester une réglette que j'ai achetée à la foire à tout. Ouais, du coup, une réglette de marque Arik. Voilà. Une Arik toute neuve parce qu'il y a encore son tube d'origine. Un tube TFU Watt Blanchot, fabriqué en Allemagne. Et puis voilà. Une réglette. Franchement, je suis très content de l'avoir achetée. Elle m'a coûté 3 euros. Et du coup, dedans, il y a un ballast ERC de fabriqué en Italie, 240 watts, 50 Hz, pour une lampe de 4-6-8 watts. Voilà, avec un starter de marque Radium. Du coup, ça, j'en avais pas des starters comme ça. Du coup, je vais vous la tester. Du coup, ouais, je l'ai déjà câblé. Je l'ai déjà câblé parce que je l'ai déjà câblé et je l'ai déjà testé pour voir s'il n'y avait pas de défaut ni rien, qui a fonctionné très bien. Du coup, bon bah du coup je vous dis la réglette fonctionne parfaitement et puis elle est toute neuve. Du coup c'est parti. 3, 2, 1. Voilà, elle fonctionne nickel. C'est un tube blanc chaud. Bon, à l'œil nu, c'est plutôt un tube blanc chaud rosé. Et du coup, ouais, c'est un beau tube, hein. Tout neuf. Et du coup, c'est le tube d'origine. Voilà, ça démarre direct. Alors, je vais vous montrer le starter. Là, on voit même pas s'allumer. Ah bah, il est tout neuf en plus ce starter. Bah au pire je vais le changer, je vais mettre un Philips S2. Voilà. Et du coup je vais mettre un starter que j'ai déjà testé dans la vidéo récupération de starter. Donc, du coup je vais le mettre. Comme ça moi je pense à la tête clignoter pour redémarrer. Bon bah il a du mal à rentrer visiblement. Ah non c'est bon. Voilà. Hop. Maintenant on va allumer. C'est parti. Voilà, ça fonctionne très bien. Pour le petit starter, hein. Il est tout neuf. Vraiment, ça fonctionne très bien. Voilà. Du coup, je suis très content de l'avoir. Je suis très content de cet achat. Du coup, elle fonctionne parfaitement. Vous voyez, il n'y a pas de défaut d'isolement. Ouais, il n'y a pas de défaut d'isolement. Ça, du coup, ça c'est pas mal. Coup, ça fonctionne parfaitement. Voilà. Du coup, elle fonctionne parfaitement. Elle fonctionne parfaitement. Et puis voilà. J'en dis, le starter, elle en voit bien. C'est le petit bass, il fait un petit bruit quand ça démarre. Voilà, ça fonctionne parfaitement. Voilà. Ouais, du coup cette raidette là je l'ai mis à la place du hublot qui est là-bas. Voilà. Donc du coup voilà, hein, franchement je suis très content. Elle fonctionne parfaitement, elle est toute neuve. Donc bah voilà, hein. Donc du coup c'est la fin de cette vidéo. Du coup bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!